À l'heure où, l'information culturelle est essentiellement numérique, l'accessibilité prend tout son poids. Nos étudiants sont dans une formation qui est dédiée, spécialisée sur les technologies à destination des personnes handicapées. Le master répond à une demande, à une exigence, à un besoin qui est particulièrement important aujourd'hui et qui n'est pas nécessairement pour l'instant totalement satisfaisant ou résolu au niveau des sites web ou des équipements qui sont réalisés. On a conçu une application qui permet de rencontrer des personnes qui ont envie de visiter les mêmes lieux culturels que nous. On a basé aussi beaucoup notre application sur l'accessibilité. On a beaucoup de critères d'accessibilité pour les personnes qui sont en situation de handicap moteur, visuel ou auditif, parce que c'est très important quand on veut aller visiter un endroit de tout simplement savoir si on va pouvoir accéder à l'information. Dans une optique de société inclusive, on doit vraiment penser sérieusement à l'accessibilité numérique. Et c'est ce qui a été fait aujourd'hui en présentant notre application.